quel sens nous allons juger le monde, à quel moment. Peut-être qu'il y a un éclairage par ce verset, la parole qui parle. C'est une très bonne question. Donc, tout le monde a vu. Ça va pour tout le monde. Le jugement des anges. En 1 Corinthiens 6. Alors, bien évidemment, dans ce passage-là, il n'est pas question des anges de Dieu qui sont au ciel. D'accord? Un Corinthiens 6 à 28, verset 1. Quand quelqu'un d'entre vous a une affaire contre un autre, ose-t-il bien aller au jugement devant des injustes? Et il ne va pas devant les saints. Savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous indigne de rendre des moindres jugements? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? D'accord? Donc là, il est question des démons. Les anges déchus. Par exemple, dans Jude, on parle des anges. Les anges qui ont été dans le domaine, tout ça. Dans 2 Pierre 2 aussi, on parle des anges. D'accord? Que Dieu avait, que Dieu a enchaîné. D'accord? Donc là, il est question des démons. Si tu veux les anges déchus. D'accord? Donc, il y aura plusieurs jugements. Hein. Après, on trouve du Seigneur, parmi lesquels nous trouvons le jugement des anges, c'est-à-dire voilà, tous ces détracteurs-là, les chrétiens, hein, ils seront jugés et Dieu nous donnera l'autorité, n'est-ce pas, de le faire. Amen. Voilà. Le Seigneur nous donnera l'autorité de le faire. Apocalypse 1 nous enseigne là-dessus, après les 1000 ans, le diable sera relâché, tout ça. Et ensuite, il sera pris avec toute son armée et jeté dans un écran de feu. On va prendre ça ensemble pour Romains. Romains chapitre 16. Verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de paix écrasera ou brisera bientôt Satan sous vos pieds. C'est pas une bonne nouvelle, hein? Qui ne le savait pas? On s'en rendra compte. Qui ne le savait pas? Comment est-ce que vous brisez Satan? Ok. Amen. C'est ça, c'est la vérité. C'est le jugement. Alléluia. Donc, nous jugeons les démons. Pour l'instant, nous les chassons au nom de Jésus. Et un temps arrive où Dieu nous donnera le mandat pour les juger. Là, c'est la condamnation, si tu veux. Ils seront condamnés. Nous allons participer à cela. Hein? Nous travaillerons avec Dieu pour le jugement de Satan et des démons. Alléluia. La sirène des eaux, tous sont la plus nouvelle, hein? Tous les noms qu'on a donnés à ces esprits impurs. Tous. Voilà pourquoi ils vont se sanctifier. Hein? Amen. Quand j'imagine un peu là, la question vient de lever en moi une chose. Hein? Frère, imaginez un peu, tous les démons qui fatiguent les hommes, Dieu dit que nous participerons à leur jugement. Amen. Amen. Satan qui fatigue les hommes, Dieu l'écrasera sous nos pieds. Oh, c'est bien. C'est pas magnifique ça? Il y a de quoi être en Jésus. Hein? Les païens n'auront pas l'opportunité de le faire. Et nous sommes bien jugés par Satan. Mais nous, enfants de Dieu, de la grâce, nous jugerons les démons. Amen. Amen.